Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau live sur Cat Quest 3. On continue notre aventure en coop avec Chobiti. Coucou Chobiti. Coucou le signe, coucou tout le monde. Et du coup, on venait de terminer ce donjon normalement, donc on peut sortir. Oui, on avait fini le donjon du Monsieur Goret. Ah, la clé du centaure vibre. Quoi? Ah! Cool! Tonnerre! T'as vu ça? Cherchons d'autres ruines des quêteurs! Alors, est-ce que tu crois que la clé qu'on a eue peut nous permettre de. D'aller dans la tour infinie, là? Bah, on peut essayer. Ça coûte rien. Bah, go! Je te suis, j'ai envie de dire. Y'a plein de bardos! J'essaye de m'avoir. D'après Charon, il nous faut la clé de l'infini, mon chaillon. Je ne sais pas ce que c'est et encore moins où elle se trouve, mais je sais qu'on va y arriver. Ah oui, c'est la clé de l'infini. On a eu la clé du centaure, du coup. Bon, bah on va à Chavannes, je crois qu'il y avait une prime sur le Goret, là, t'as dit. Oui, et on a une lettre à lettrer aussi. Ah oui, c'est vrai, on a le livre 3. Sur le livre 3. Oula, qu'est-ce que tu fais? Je débarque là. Alors, est-ce qu'on a des trucs à faire? J'ai l'impression qu'il n'y a pas le son du jeu, attends, sur... Tu l'as pas du tout? Non, sur le stream. Je sais pas pourquoi, il fait n'importe quoi. Alors, si je mets ça, et qu'après je mets ça... Voilà, c'est bon. C'est revenu. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ah, on a que 145, donc c'est mort, pour rien améliorer. Oh non! Par contre, on a plein de sous. Plein de sous! Et on a le machin à donner à Michou. Oui, on a son marteau là. Ce son métallique, je le reconnais. Ce ne serait pas le marteau que j'ai perdu il y a longtemps. C'est lui, c'est bien mon marteau, c'est sûr et certain! Je l'ai perdu à mon arrivée dans les Charaïbes. C'est ma sœur qui m'a donné ce marteau quand j'étais tout chaton. C'est à 99,99% pour ça que j'ai voulu devenir forgeron. Je voulais ressembler à ma grande sœur. Merci de me l'avoir rapporté. Tenez, c'est pour vous. Hop, et tu vois, il a son trésor. Cadeau! On devrait piller, comme font tous les pirates! Ça nous changerait! Nif. C'est quand même bizarre qu'on ait trouvé ça là, non? C'est pas banal d'enterrer un trésor et de laisser des indices pour qu'on le trouve. Du coup, il veut nous parler! J'ai une proposition à vous faire. On a droit à des remises? C'est 99,9% mieux que ça. Je peux vous fabriquer une arme qui surclassera toutes les autres. Et même que ma sœur a forgé la lame royale, ce sera mon chef-d'œuvre. Laisse-moi deviner. T'as besoin de notre aide. Chaoui à 100%. Tout ce qu'il me faut, c'est un os de dragon. Je sais, il y a 0,01% de chance de trouver un dragon sauvage par les temps qui courent. Mais si jamais, apportez-moi Shaichi, je vous forgerai un truc dont même ma sœur serait chalouse. Parfait. Alors du coup, moi j'avais quoi d'équiper? Le truc inflige des dégâts et sinon de l'armure. Ouais. Bon, je vais garder le truc qui fait des dégâts, je pense. Hein. On va monter ça au moins niveau 15, ça serait bien.
Et le tien aussi, peut-être. La thune. Voilà. Ah, mais regarde, t'as plein de force. Ouais, j'ai plein de PV aussi. Je vais mourir moins vite. On a pas trouvé mieux comme arme, par contre. C'est chiant. Ouais, c'est un peu nul. Je vais essayer le bouclier. Ouais. Pas trop pour moi, le bouclier. Bon, bah écoute, on verra. On peut t'améliorer ta mitrailleuse en échange. Allez, on a plus de sous. Quoi, nos sous? Eh oui. Toi, tu gagnes des sous et moi, je dépense. C'est comme ça, non? Oh, ça brille! À ce qu'on dit, le chef Goré a rendu son dernier souffle. Vous venez toucher la prime, c'est ça? Ah, on passe le lait surpuissant au niveau 18, excellent. Après, c'est qui? C'est pour Grobis! Bah, Grobis, hein. Il serait apparemment au château Rouron! Ça veut dire que Jean, il va falloir qu'on l'affronte, quoi. Bah alors, qui c'est que cette histoire? Bah ouais. Bon bah écoute, raison de plus pour aller au château rond alors. Oui, mais faut qu'on trouve, attends, pour notre lettre. On a une lettre. Oui, mais c'était où on avait dit? Sur l'île de Chavannes, à côté des pierres bleues. Oui, c'était loin. Enfin loin. C'était c'était complètement loin là, c'était là-haut là. Ah oui. On peut y aller si tu veux, ça me dérange pas. Bah c'est sur le chemin. Un drôle de chemin, mais oui, admettons. Ah. No, mais c'est derrière. Scandale. Ah oui, il y a des pierres bleues. Cochon. On l'a pas fait celui-là. Bah moi je l'ai pas fait en tout cas. Bah non, il est pas validé. Mais genre on a laissé des pierres bleues comme ça. Bah on a dû le faire. Merde. C'était pas la bonne. Ah mais elle est toujours allumée là. Charge vite maintenant tes balles là. C'est bizarre que ça valide pas. Non mais écoute, peut-être qu'il faut lui parler à lui. Maudite pierre bleue. Hein? Oh salut, c'est pas banal de voir des chalenturiers par ici. Désolé de te contredire, mais on est des pirates. Et ouais. Oh, vous êtes beaucoup trop mignons pour être des pirates tous les deux. Venez m'aider à toute cette énigme de malheur. Hein? Je parle des pierres bleues derrière vous, bien sûr. Elles doivent cacher un secret, vous ne croyez pas? Peut-être l'ordre dans lequel il faut les toucher. Quand on aura résolu ça, je suis sûr que les trésors du grand chaman nous appartiendront. Des trésors, dis-tu? Ça marche! On va faire ce... On va se faire une joie de te donner un coup de patte! Formidable! Je n'ai que ce petit indice pour démêler les complexités de cette énigme. Ah! Ah oui, bah, ouais. Ça va comme indice, c'est... Mais t'as retenu? Bah, on l'a dans notre inventaire, non? Oui. Ah non. Voilà. Lol. Je peux reprendre mon papier et l'écrire, maintenant? On le redonne ou pas? Allez. Alors 2, 5, 3, 4, 1, 6. 2, 5, 3, 4, 1, 6. 2, 5, 3,
4. 1. 6. GG! C'est dur. Ah, pas mal, ça améliore ton sac de frappe en plus. Ouh! Eh bien, alors c'était chat la solution. Eh oui, j'ai été le premier à mon école de piraterie, tu sais. Ah, oh, une école de piraterie, trop mignon. Si, je t'assure. L'histoire du grand chaman n'est donc pas un mythe. Il y a longtemps, un célèbre mage de Fengarn cacha ses trésors dans les Charibes. Il plaça des fragments de son âme dans les minuscules cristaux magiques pour pouvoir vivre éternellement. Des cristaux magiques? C'est chat, je suis sûr qu'il y a aussi d'autres pierres bleues du même genre. Il faut retrouver les trésors du grand chaman. On fera ça, on fera ça. Cochon, cochon! Vous êtes Marc, à tout hasard? Vous êtes bien? Quelle formidable nouvelle! Mais avant d'aller assister à une si merveilleuse occasion, j'ai certaines affaires personnelles à régler. Oh non! Une lettre pour le rat qui flotte quelque part en l'air des Charibes. Oh, l'enfer. Mon ami doit recevoir cette lettre le plus vite possible. Il flotte souvent quelque part dans la mer des Charibes. Et voilà de quoi vous dédommager pour votre peine. Ok, alors rien, j'ai vu qu'il y avait un coffre là-bas. Non, la glace, on a dit que c'était nul. C'est vrai que je le déséquilibre en fait. Il est un peu trop aléatoire. Ah. Des griffes de roublard, mais c'est pas les mêmes que celles qu'on avait. Non. Griffes de roublard, vitesse de déplacement 20%, ok. Mais toi, t'aimes pas les griffes. Il faut qu'on ait un sabre. Trouver un sabre. Ouais, moi je suis un piwat. Le piwat, ça a des sabres, pas des griffes. Ah, on peut amener le bateau là, il y a plein de trucs à faire apparemment. Secours! Secours! J'attaque Marc en plus! Et toi, tu l'emmènes trop loin. Il va falloir piloter à travers les mines. Quoi? J'ai pas je te laisse la main. Il faut aller où? Bah tu vois bien, il faut monter le petit chenal là. Oui, bah du coup on va pas à travers les mines. Ah bon? On peut passer par là, non? Non. Oh, il y a des traces de papates. Tu vas où? Bah tu vas aller où? Mais ça semble évident. Laisse-moi la main. Là il y a deux endroits avec des gros coffres où on doit tirer dessus avec le canon. Ah oui, tu voulais pas faire Je pensais que tu voulais faire le château ronron. Pas mort! Meurs! Allez, il y avait des pièces là-bas. Avant qu'elles disparaissent. Oh, mais coco danger, coco danger! Des gros!
Banépad, salut putain du roi pirate. Ouais d'abord, le patron se défrise quand des chats lui barbotent son fromage. On barbote si on veut. Oh, il fait hyper mal le bouclier quand on part, quoi. Le butin est servi. Oh, c'est fort ça. Ouais, c'est fort. On va le mettre. Bah ouais. Alors, à la place de quoi? La vie. La vie. T'as confiance dans tes esquives? Absolument. Parfait. Une tour d'or. Qu'est-ce que ce serait? Tonnerre. Je crois bien que c'est la fameuse tour d'or dont parlent les légendes. C'est alors une tour d'or, ce serait la fameuse tour d'or. Incroyable. Oh non, on n'a pas la clé. Bah si, on a des clés d'or. Enfin, après 10 longues années, j'ai mis la patte sur une clé d'or pour ouvrir cette porte. Hein? Vous êtes là pour chaparder ma clé d'or, c'est ça? C'est la même clé que j'ai cherchée dans toutes les Charibes. Je vous préviens. J'ai peut-être l'air d'un pirate tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais en fait je suis un boss de niveau 40. En garde. Pirate prétendument générique, prétendument de niveau 40. Je sais qu'on cherche encore le trésor de l'étoile polaire. Mais moi, je dis, on essaye cette clé d'or. Ouais, on est super fort, on monte de niveau. Coucou coco. Genre, y'a rien au rez-de-chaussée. Et salut Freddy, bienvenue sur le live. Tu adores la voix, quelle voix? La mienne, celle de Chobiti? Celle du jeu, y'avait vraiment devant le jeu. Bataille! Brûlez! Bande de veules! Toutes les voix tu adores, et bah écoute, ça fait plaisir. Eh, hey, merci! Il y a une note ici! L'or est éternel, il m'est très précieux. L'or peut assouvir n'importe quel rêve, n'importe quel désir, j'en veux toujours plus. Qui pourrait m'en blâmer? Mille chabords sera aimé l'or plus que tout, hein? Assez pour tout piéger, hein? Piéger? Oh. Armure d'or. J'ai l'impression d'être dans les donjons de Nalu. Ah, je connais pas les donjons de Nalu. Je crois qu'on en avait deux des clés d'or. Ouais, je crois qu'on en a deux aussi. Ah, le donjon de Nalbuck où il a du coup. Oh, putain! J'ai pas de cendre! Ah oui, j'avoue, la méga charge là, je l'ai pas vu venir là. En plus, j'avais le flingue équipé, donc j'ai même pas pu parer. Ok, on revient là. Bon, on sait que ça va être la méga merde. Non, pas en vacances malheureusement, Freddy. Reste derrière moi du coup, je vais m'occuper de tanker. Les vacances c'était il y a 2 semaines. Mais je veux bien rester derrière toi, mais le jeu il... Oui bah tu te barres maintenant. Ah putain, j'ai mon arme, pas celle-ci. Ouais bah moi aussi j'avais encore oublié d'équiper ce qu'il faut.
Oh putain! Bon, on réfléchit un peu mieux. Cette fois, j'équipe ce qu'il faut. C'est calme en ce moment, tout le monde est parti. Bah oui, c'est vrai qu'après le mois d'août, voilà. Ça reste tranquillou quoi. J'ai la bonne arme. Moi aussi j'ai la bonne arme. Normalement c'est juste des pauvres saloperies là. Putain, les munitions à mettre 3 plombes à se recharger. Allez, je peux faire piou. Ouch. Merci. Ah, ça marche mieux quand on tank. Il y a une note ici. Pourquoi tout n'est-il pas fait d'or? Tout devrait être en or, tout doit être en or. Mon monde sera l'épreuve du temps. Imaginez tout le fromage. Tonnerre, c'est pour ça que cette tour est toute en or. C'est vrai que l'or dure à tout jamais. Oh. Vous avez d'or, plus vous infligez de dégâts. Ah bah c'est pour toi ça. Mon or. Oui mais tu passes ton temps à le dépenser. On le dépense une fois de temps en temps, il remonte direct. Mon or. Mon or. En plus ça te met un peu de défense. T'as encore une semaine de vacances Freddy. Bah écoute, là profites-en bien, clairement. Malheureusement, on pourra pas faire de live, mais... Mon précieux est gay exactement. Ah, je crois que celle-là, on l'a pas, ouais. Non, celle-là, on l'a pas. Oh, sans doute qu'il va nous falloir une autre clé d'or. Continuons à explorer les Charaïbes, on en croisera forcément. Bah, on a eu 2 étages, c'est déjà pas mal. Ouais, en même temps, c'était dur le 2e, alors... Ah, c'est de devoir se battre dans un espace tout restreint avec des trucs qui chargent. C'est clair que c'est pas simple. Qu'est-ce qu'on fait? Où la sortie? Non mais faut descendre encore. Tu vas tellement plus vite que moi, c'est abusé. Je t'en lent comme un cul avec mon bouclier. T'as vu, maintenant je suis plus jaune que toi. Plus jaune, encore plus jaune. Ouais, moi j'étais déjà beaucoup jaune. Ah, il y a des cocos. Ils nous attaquent. Vas-y, je te laisse la main. On va au château ronron. On va au château ronron, très bien. On a le 3e livre. Alors lui, ce sera un boss. Et après, peut-être que son histoire s'est mal terminée, on sait pas. Hein. Alors, Grobis et Ramina sont tirés d'un sommeil paisible par l'odeur de leur maison en feu. Ah, carrément. Fuir en emmenant Ramina. D'accord, on fuit en emmenant Ramina pour chuter. Dans les bras l'un de l'autre, Grobis et Ramina parviennent en sécurité et voient leur domicile bien-aimé tomber ensemble. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? C'est vrai que ça prend pas feu tout seul une maison. Une voix dans l'ombre éclate d'un rire sinistre. Voilà le Grobis que je connais, toujours aussi égoïste. Qui est là? Arrière, démon! Gros boss émerge à nouveau de l'ombre. Tu te croyais réellement débarrassé de moi? Tu as abandonné notre famille dans cet incendie il y a tout ce temps. J'ai eu de la chance d'être sauvé par les pillards. J'ai toujours regretté cette nuit-là. Moi, tu t'en fichais, tu n'es jamais revenu, et voilà que tu m'as pris ma 2e famille. Pour rien ne me rattache à la vie. Ramina rejette un regard inquiet à Grobis en voyant Gros boss en larmes lever son poignard d'un geste théâtral.
qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, tu es ma seule famille! Bon, on a quand même essayé de le buter, hein. Comprenant qu'ils tiennent toujours l'un à l'autre, les frères se réconcilient. Groby se présente les yeux à Ramina pour avoir caché son passé. Groby t'aidera, je t'aimerai quel que soit ton passé, tant que tu reconnais tes erreurs et que tu fais amende honorable, répond-elle. Oh. Ouh, on le passe niveau 19, 300 PV de plus, excellent. Nous manque des trésors! Est-ce qu'on a résolu la malédiction? Vous avez réécrit mon histoire avec Ramina. Mais je ne serai pas libre tant que vous n'aurez pas vaincu les derniers vestiges de mon âme brisée. Ah, il y a des pages qui sortent de nouveau. Non? Il vous attend sûrement à l'intérieur. Ouais, les pages, elles brillent. Elles brillent, ouais. Passe quoi dehors? Ok, rien. Ça devait être juste la déco. Alors, du coup, c'est pas lui qu'on va battre, c'est son âme brisée. Mais écoute. En avant! Oula! C'est ma faute! Tout est de ma faute! Ramina! Oh punaise! Ah, il est tellement lent que j'ai même pas le temps de parer quoi. Oh mes balles, elles se rechargent à une vitesse ridicule. Bon moment pour lancer un sort. Je lui mets tellement de flammes dans la tronche quand je pars, quoi, c'est super fort. Descends. Aïe! Heureusement qu'on a du soin. Hein. Il jette des boules de feu, mec. Non, c'est toi. Oui, c'est moi, les boules de feu. Moi, ah ah! Le pouvoir de l'amour! Excellent. Oh. Blesse tout le monde à proximité pour chaque blocage réussi. 32 de dégâts de type je ne sais quoi. Attends. Du coup, moi, je lance une déflagration de feu. Et ça, c'est... Je sais pas c'est quoi ce type de dégâts. Bah, je sais pas, on peut regarder. Attends. Laisse-moi. Ah bah non, je sais pas, c'est pas marqué. Et X là. Bloque quelques instants à la fin de chaque attaque. Plus de force et de défense, c'est plus de dégâts. Ouais. Parce que ça, c'est assez évident que c'est des flammes, mais ça, je sais pas. Ça doit être un type de magie. Ouais. Dans nos sorts, on a un truc qui ressemble. Coude, flamme, défense. Ouais. Bah le tout le monde à proximité il me fait un peu penser que je vais te blesser toi aussi, donc ça m'embête un peu. Je vais peut-être prendre ça plutôt. Je vais garder mon bouclier de flamme, il était très bien. Alors est-ce que Groby s'est libéré? Je sais pas, est-ce qu'il nous donne une récompense? Parce que sinon il nous manque un coffre.
Vous avez réussi! Merci infiniment, je suis enfin libre! J'espère que tu recroiseras la route de Ramina un de ces jours. J'espère aussi. Je vous laisse mon trésor en remerciement. Puisse le vent gonfler vos voiles et les trésors abrés. Adieu! Ouais, trésor! Soigne tout le monde à chaque blocage réussi. Ah. Ça, ça peut être pas mal pour le coup. Tout le monde. Ah ouais, tout le monde. Alors bah, on va essayer tiens, sur les ennemis. Il y a des petits cocos. Ça les dessigne pas. Par contre, ça leur fait hyper mal. Parce que, vu que du coup je me soigne et que quand je me soigne, je mets des dégâts, je pense que le combo est pas mal. Ouais, bah, on va regarder ça, écoute. Allez, je te laisse la main. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah, je sais pas, je réfléchis. Faudrait qu'on fasse la mer des Charaïbes, là, pour trouver le rat qui flotte, là. Juste ouais, mais tu vois, je me dis, là, il y a des donjons qu'on n'a pas fait. On est peut-être... Oui, on peut faire, ouais. Bon, le concert de Metallica, je sais pas. Ah, celui-là, j'ai dû le faire sans toi et il me manquait un trésor. Bah, on y va, allez. Gimme la petite pièce! Gimme la petite pièce! Qu'est-ce que tu fais? Je fais le tour! On peut faire. Je sais pas. Très bien. Alors, on a oublié un trésor dans celui-là. Ah, c'était à l'entrée, quoi. Parfait, écoute. Tu crois qu'on est de taille contre Metallica? Je suis pas sûr. Attends, excuse-moi, je voulais monter dans le bateau et j'ai ripé. Mais on peut essayer au moins d'éliminer ces séides. Oh bah oui, on fait mal. Ah non, c'est parce que t'as fait un tir. Ça va te calmer.
Seïd. Et on a mis life, youhou! Faut essayer de la tirer près des côtes. Ça nous suit. Ah. On a trouvé un coffre sur le bord là. Quoi? Regarde derrière, on a trouvé un coffre. Sérieux? Comment on a fait? Bah, il y a un boulet qui est tombé dessus et ça, ça a ouvert un coffre. Attends. Courage là. Oula, c'était à l'arrache ça. On est tombé! Encore un petit peu juste en termes de DPS. Va chercher le coffre, les cristaux ils ont disparu. Oh non! Attends, je te reste. Peut-être. Ah! Putain. Oups! Merde, il a détruit le truc. Ça vient faire les choses, hein. On n'est pas content. Bien, tu descends mon bouclier là. Quand même des dégâts quand je me soigne en le poursuivant, c'est vrai. Oups. Ah putain. Elle arrive tellement lentement. Au dernier moment. Ah, j'hallucine. Le bouclier qui disparaît juste au dernier moment, c'est dégueulasse. Merci. Parti où, saloperie? Bah, je sais pas. Alors? Ça y est. Ah! What? Ah putain, j'ai pas parlé. Allez, recharge mes petites munitions. Oh, GG! Oui, t'es vénère. Boulet électrique. Je n'en reviens pas. On est venu à bout du navire le plus redoutable de Metallica et de son équipage.
C'est électrisant, hein? Électrisant, t'as piché? Ouais, bah on a peut-être pas le niveau pour aller faire son donjon en Metalisha du coup. Notre petit coffre, on va pouvoir aller chercher notre petit coffre. Et faire le petit donjon qui est à côté. Mais non, c'est le truc de, du monstrologue. Oh, le truc tout pourri quoi. Vengeance! Ah oui, c'est pas un donjon ça. Non, c'est nul. Monstrologue. Ah oui, 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 non mais c'est trop nul. Alors on peut aller voir Metalisha si tu veux. C'est pas méchant eux. Ah oui, c'est vrai, on a toujours pas de billets. Ah, ça a pas changé. Je pensais que justement, en battant le bateau, il nous aurait donné un ticket, mais tant pis. Bah ouais, moi aussi. Ah. Excuse, hein. Tu fais quoi? Voilà. C'est bon. Vas-y, je te laisse la main. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on n'est pas très loin de la mer des Charaïbes, hein. Oui, pas faire ça. Ouais, c'est plus fluide au joystick le bateau forcément. Ah c'est, il est là, ok. Il est là, il est dans l'eau. Le chat qui flotte. Bah non, c'est pas un chat. Le rat qui flotte. Mille chabords! Comment tu fais pour flotter sans rien pour flotter? Les rats sont d'excellents nageurs, vous ne saviez pas? Les rails! Avant que Marc part assister au mariage, il compte sur moi pour expédier certaines affaires. Il veut se venger du goré qu'il a doublé. Une bonne vieille déclaration de goré, quoi, à l'ancienne. Oh, sérieux? Marc n'a que des sabots, alors j'ai écrit ceci à sa place. Croisez le chef Goré, vous pouvez donner cette lettre? Puis tenez, de quoi vous miaoutiver. Mais le chef Goré, on l'a déjà gorétifié! Ouais, mais du coup c'est pas loin. Bon, d'accord, je te laisse la main. Tu veux te combattre? Quoi, tu nous provoques! Tu veux la guerre? C'était par ici? Oui, c'est ça les grottes. Normalement, vu qu'on l'a fait, on devrait pouvoir aller directement au fond. La thune. Ah, on peut peut-être pas remonter si on peut monter. Ah. La thune. J'ai pas rempli ma bouteille, je te laisse y aller. Oui, mais je peux pas y aller en fait.
Alors, je m'absente 2 secondes et t'en profites pour tuer les gens. Bravo. Mais non, mais c'est ta faute, t'avances pas, alors du coup... C'est ma faute. Il est moins lourd ce bouclier, on dirait que je vais aussi vite que toi. Par contre, j'ai toujours des esquives à la con. Alors, est-ce qu'il va pas être content de sa lettre? Et salut Wattcajou, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Distribution du courrier! Bien, ça fait plaisir. Oui! Marc, être cousin éloigné. Si Marc vouloir guerre, alors Marc avoir guerre. Ah, une lettre pour Charon, carrément. Charon, être noche des morts. Charon, s'occuper de Marc. Lui, être tour de l'infini. Prendre, pour vous. Je crois que t'as fait exploser ton micro en rigolant parce que je t'ai pas entendu rigoler dans le micro. Quoi? Comment tu fais pour courir comme ça, là? Bah avec des papates. T'as pas de papate, toi? Bon, Charon, il est pas si loin. Non, il est pas loin. Peut-être pas obligé de se refaire les bateaux, par contre. Parti où? Mais attends, il y avait un truc à explorer. Oui, c'est le château pixel avec Dracula. Ah oui. Allez, sans doute là maintenant. C'est le facteur. Oh, merci. Oh, une demande pour envoyer quelqu'un au pur grattoir. C'est ni la première ni la dernière. L'ennui, c'est que je suis en congé, là. C'est mon collègue qui va gérer ça à ma place. Il repose en pièces sur l'île embrumée. Et voilà pour vous, un petit cadeau de au-delà en dédommagement. Merci. L'île embrumée, c'est où ça, l'île embrumée? Là, c'est les îles du couchant. Ah, c'est ça. Ah bah cool. Ouais. On n'a pas fait du tout cette île. Bah, là-bas, si tu veux. Bah ouais. Vas-y. Être embrumé. Ça m'a l'air d'être embrumé. Un petit quoi. Monsieur Thanos, vous avez du courrier, enfin je crois. On est presque des eaux, pilant. Hein, du courrier pour moi, c'est vrai. Bon, on va voir si je sais encore lire avec ses yeux vides. Alors Charon est en congé, c'est ça? C'est à cet ordre les côtes. Un jour, peut-être que Charon arrêtera de m'appeler au secours, mais bon. Prenez cette lettre et assurez-vous qu'elle parvienne à ce Marc. Il y aurait peut-être du sort des Charibes. À part s'étonner, c'est un petit quelque chose que je veux garder sous le coude. Bibi. On dirait qu'il lance des espèces de petites boules d'énergie. Non, il y en a partout! Allez, recharge mon... Voilà.
mal, hein. Aïe. Allez, dès que je suis plus là pour tanker, c'est plus compliqué, hein. Oui. Chat du monde. On m'attaque par derrière. Ah oui! Ah, il vaut 34. Putain, 600 dégâts la vache! Oups! Ah ouais, il y en a qui piquent là. Je sais pas c'est quoi leur attaque qui fait 600 dégâts, mais. On est peut-être pas assez fort. C'est peut-être un peu juste, ouais. Après, notre équipement, faudrait qu'on l'améliore. On va faire un tour à Port-Chalon. D'accord. Ah, attends, il y a un filet, il y a un poisson. Aïe, après, ça va être problématique. Et en plus, il ressemble à moi, hein. Du coup, je me fais défoncer, quoi. Bon, Bah oui. J'ai rien dit. Bah oui, logique. Il y avait un poisson. Bon, Port-Chalon, Port-Chalon. Non mais je voulais sortir du bateau et t'as... Tu m'as fait sortir du bateau de force en allant chez Michou. Bah on a pas dit qu'il était level 34 celui-là. Non c'est le bidon de chevalier. Ah bah non mais ça a peut-être pas sauvé le... Ouais on a, comme on est mort on a peut-être pas ouvert le coffre. Bon, pas très grave de toute façon on l'aurait pas utilisé. Ça c'est 19, 18 c'est pas si mal. C'est 15. Ça, c'est ouais, 12. Bah je vais peut-être prendre quand même autre chose hein, si on trouve pas le. Le sabre après, on peut peut-être aussi justement l'améliorer un petit coup. Oui, on peut l'améliorer, ça va pas nous coûter une blinde. Hein. 5000 sous, 6000 sous! Voilà. Il y aurait un peu ma charquebuse aussi. Au niveau des accessoires. Bah voilà. Booster un peu ta magie. Ah t'avais les bombes d'équiper. Oui. Ah bah on peut monter. C'est marrant ça rajoute une petite bombe. Ouais, déjà 40 PV, c'est un peu mieux. Ça c'est pareil, c'est un peu léger, je peux juste monter d'un niveau. On a plus de thunes! Eh non, on a plus de thunes. Ma thune! Ma thune! Ma thune! Mais on peut aller chercher notre prime! Mais d'ailleurs, on y allait avant, des fois que l'objet soit intéressant. On dit, Grobis a rendu son dernier souffle.
après. Cet avis de recherche là-bas, c'est pour le capitaine pirate de feu, avec une prime de 12 000 pièces d'or sur sa tête. Il paraît qu'on l'a vu dans les îles du couchant. Si on pouvait éviter d'y aller, bravo, je vois le genre. Bon, bah on retourne voir Marc. Oui. Merde. Je pense pas qu'on ait de quoi améliorer nos sorts. Hein. Non, je suis pas sûr non plus. On a au moins 150, mais... Pour améliorer la glace... C'est tout. On sert pas des masses de la glace. Non, je la trouve trop aléatoire. Elle est sympa, mais elle est très aléatoire. Tu choisis pas où va ton... Où va ta glace en fait? Marc, il était par là. Non. Non. Marc, c'est le cochon. Oui. Avec ses pierres bleues qui sont plus bleues. J'accélère. Voilà. C'est ça qu'on veut. Bah, il est où? Bah, il est pas là. Il a changé d'endroit, l'enfoiré. Il est peut-être au mariage. Ça disait quoi la lettre? Ah non, ça nous a pas validé Thados. Oh! Ah bon, bah le métro. Ah non! Bon, bah on retourne chez Thados. Laisse-moi accélérer. Non! Mais je sais pas comment tu fais, du coup ça accélère pas en continu. Accélère pas en continu, c'est juste un dash. Ah oui, le coffre il est là, on l'a pas ouvert du coup. Regardons. Oui, c'est niveau 60 en fait, donc forcément ça joue. Hippo! Les pauvres équipements level 15, ça veut dire qu'il faut un peu synchro quoi. Monsieur Thados, vous avez du courrier! Je passe hein. Chercher le coffre. D'accord. Ah, sauvegarde. Tant pis, je sauvegarde pas. Tire-le par là. Mais je peux pas, j'ai attiré Coco Danger là. Oui, non, mais c'est la grosse personne d'autre. Putain, il se téléporte. Mais oui, mais. La grosse personne d'autre. Qu'est-ce qu'il dit qu'il y aura pas quelqu'un d'autre au bout de l'île? On y est déjà passé. Mais non, on n'est pas allé jusqu'au rocher. Sur ma tronche quoi. La petite boule elle disparaît pas quand on le tue quoi. Ouais. Ah c'est un autre truc.
Oh, un jet de corcheur de level 32. Oh, coucou. Voilà, cool, si tu veux regarder si c'est mieux que toi. Un peu non ? Ah oui, on peut regarder, oui. Bah, c'est pour toi, hein. Bah, c'est vrai que level 32... Oui, allez. Bon, cette fois, il va bien être là. Compliqué. Oui. Allez, on y est. Comment on se retrouve, Marc? Ah, le service postal, parfait. Vous avez encore du courrier pour moi, toi, voisin? Eh bien, comme la situation a changé, c'est de manière plutôt cassante de m'envoyer me faire voir. C'est pour le groin grossier. Alors, c'est fini? Bon, je pourrais répondre sur le même ton. Ça ne ferait que perpétuer le cycle de la vengeance. Je dois prendre de la hauteur et en finir avec ces bêtises. Oh! Ah, bah quand même. C'est la dernière fois, je vous le promets. Et puis tenez, un petit dommagement pour vos efforts. De la thune! Bah écoute, je te propose qu'on arrête l'épisode de VOD là. Il est suffisamment long, si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. On boit un petit coup et on dit au revoir. Bye bye. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.